Mais qu'est-ce que vous faites ici? On n'est pas d'image pourtant. Nissou, arrête de nous faire des blagues. Et oui, vous ne rêvez pas, nous sommes mercredi et nouvelle vidéo de Mitsu Makeup. Donc j'espère que vous êtes contente de me voir. Bon écoutez, je suis très contente de vous retrouver. N'oublie pas ton intro Mitsu. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau haul. Mais attention, un haul tenue de soirée. Let's go pour mettre des trucs qu'on mettra jamais. Non mais vous savez mon amour, ma passion pour les tenues de soirée. Là c'est la meilleure saison qui arrive, tu vois. Mais là franchement j'y suis allée mollo. Oui, je me suis dit Mitsu, il y a quand même le mois de décembre. Tranquille, tranquille. Mais surtout les marques commencent à peine à mettre des trucs de soirée. Du coup j'ai passé commande sur Bershka. J'ai pas pris que des trucs de soirée quand même. Pull&Bear, d'après mes souvenirs, que des trucs de soirée. Et Asos, je sais plus. Cette vidéo est en collaboration avec Igral parce qu'à chaque fois que je passe commande sur internet, je passe toujours par Igral. Si jamais tu ne connais pas, en fait, ils te remboursent une partie de tes achats que tu fais sur internet. Et moi, pour tout, je passe par eux parce qu'ils ont plus de 1800 marchands partenaires. C'est énorme. Ça te permet vraiment d'économiser. Moi, je te montre tout de suite ma cagnotte qui est quand même assez conséquente. Bon, après, tu m'étonnes avec tout ce que j'achète. Comment ça fonctionne, par exemple, quand j'ai commandé sur Asos? Tu fais ton petit shopping et tout, t'ajoutes au panier. Et là, t'oublies pas. Parce que moi, avant d'avoir téléchargé l'extension, je faisais qu'oublier. Tu actives le cashback, donc c'est pour ça que je vous conseille de la télécharger, l'extension. Au moins, ça t'envoie une petite notification en mode hey, n'oublie pas d'activer le cashback. Donc, quand t'as activé, tu passes commande, t'attends que le marchand valide, et quand c'est fait, le marchand donne une commission à Igral, et Igral t'en reverse une partie. C'est ce qui s'appelle le cashback. Et c'est quand même plutôt pas mal comme système. Ben, ça te permet d'économiser de ouf, en plus, avec le Black Friday, qui arrive, voilà les économies, parce que tu peux cumuler le cashback, les codes promo et les promos du marchand. Donc là ça sera vraiment l'occasion de se faire plaisir. Je te mets un lien en barre de description sous ma vidéo qui te permet de t'inscrire et d'avoir 10€ sur ta cagnotte direct comme ça au lieu de 3€. Maintenant c'est parti pour découvrir, essayer tout ce que j'ai acheté. Alors attendez, il faut que je règle un truc là. Pourquoi ça? Et là, c'est le drame. Sans m'en rendre compte, je sais pas ce que j'ai touché. J'ai coupé le micro. Heureusement, je vais m'en rendre compte. Mais le temps, me voici, me voilà en voix off pour vous expliquer un petit peu ce que vous voyez. Donc là, je m'étais pas rasée. J'ouvre donc le colis de chez Bershka et je commence par un petit haut pour Emma, qui est fan de Monster High. Donc là, je lui donne trop contente. Merci maman, je t'aime. De rien ma chérie. Nous avons ensuite ma petite Mandy qui est venue nous faire un coucou. Et je continue ce haul. Donc là, c'est un haut pour Emma. Mandy a eu peur, je l'ai ramenée chez elle. Ensuite, un petit haut, franchement, je kiffe. L'estomac, vous allez le voir porter, vous allez dire ah ouais, mais t'as raison, il est trop beau. Là, je vous montre un petit sac Moot Moot que j'aime beaucoup. Toujours un haut pour Emma et un jean assez large, donc c'est parti pour essayer. J'adore. Donc, je disais qu'il faisait un joli petit boule, voilà. Que je trouvais qu'un jean, quand il rentrait en fait dans les fesses, eh ben ça les faisait ressortir et c'était plutôt pas mal. Ensuite le haut, comme je vous disais, franchement je kiffe, super joli. Je me suis pris ensuite un jean noir, un petit peu style délavé. C'est un jean mom et je kiffe pareil, même s'il taille pas très très bien, je l'aime beaucoup. Hop, un petit haut tout doux. Alors celui-là aussi, coup de cœur. Regardez porté comme il est joli. Il est vraiment très très doux. Je vous le conseille celui-là. Trop beau. Et on passe à ce superbe manteau, les filles. Gros coup de cœur. Je sais, j'avais dit que je n'en achèterais plus. Mais exception coup de cœur. Et là, en effet, ça en est un. Et enfin, je découvre que le micro était débranché. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le micro était coupé, les filles. Attends, on va essayer ce petit haut simple comme ça. Effet côtelé. Il est transparent ce petit haut là, non? Mais après, ouais, c'est rien d'exceptionnel quoi. Un petit haut basique. Hein. Continuons. J'ai acheté des. Ça s'appelle comment? Des guêtres. Parce qu'en fait, je trouve ça super joli l'hiver. Tu mets un collant noir fin. Des guêtres comme ça. Que tu laisses dépasser de la botte, tu sais. Ou de la boutine, enfin de ce que tu veux. Et ben, je trouve ça super joli. Donc j'en ai acheté en gris et en noir comme ça. Donc ça, ouais, très contente. Hein. Ah, ben j'ai acheté le même en blanc. Mais en beige, bon, on va pas l'essayer quand même. C'est le même mais en marron quoi. Qui est très joli, j'aime beaucoup la couleur aussi. Je crois qu'on arrive dans les trucs de soirée hein. Ah non, qu'est-ce que c'est ça? Le même qu'Emma, je me suis pris. Attends, je vais l'essayer vite fait. Bon franchement, si mon chignon il arrive à tenir jusqu'à la fin de la vidéo, c'est un truc de fou. Parce que... Alors ce petit top, bah écoutez, très simple, mais moi j'aime bien. Bon pour cet été hein, mais moi je l'ai. Ensuite je me suis pris ça, je vais pas l'essayer non plus, c'est une petite brassière toute simple, j'en ai déjà acheté mais je l'ai perdue, je sais pas où elle est. Ça c'est le genre de brassière que tu peux mettre sans soutif, qui sont stretch, même le blanc il est pas du tout transparent. Et le dernier article avant les trucs de soirée, je me suis pris des baskets. Moi j'ai que des baskets blanches et là j'ai vu celle-là et je les ai trouvées super jolies. Je vais les essayer vite fait. J'ai pas de ciseaux pour couper le fil.
Non, elles sont très bien. Franchement, très jolies. Elles font pas un gros pied et tout. On est super bien dedans. Ah, je suis contente. Et maintenant, passons au truc de soirée. Ah non, excusez-moi. Enfin, ça peut faire soirée ou journée, mais c'est plus pour la journée que je l'ai pris. C'est une robe noire toute simple. Mais vu que je vois qu'on a un haut, on va le mettre tant que j'ai un pantalon. Il m'a plu. Après, franchement, je sais pas si ça va m'aller, cette couleur et tout. Essayons. Franchement, j'adore. J'aurais pas cru, tu sais, comme ça. Mais là, sur moi, j'aime beaucoup. Les coloris, la forme, bien sûr. Je trouve que c'est classe et tout, sans être trop. Je suis contente. Je crois que je vais beaucoup dire je suis contente dans cette vidéo. Bon, ben maintenant, on a que des robes à essayer. Donc, c'est parti, on va essayer celle-là. Ok, donc voilà pour la robe portée. C'est très simple, j'ai envie de dire, rien de fou. Mais on est bien dedans. J'aime bien la coupe du t-shirt du haut. On va ouvrir. Je me suis acheté des boucles d'oreilles. Alors, j'espère qu'elles sont pas trop lourdes. C'est des créoles strass comme ça, des grosses créoles. Là quand même, ça fait vachement gros quand même. Je vais les essayer, mort. Alors déjà que j'ai un gros lobe, j'ai peur qu'avec ces boucles d'oreilles, ça me fasse ces oreillasses, attention. Oh ouais, maman, elles sont lourdes. Punaise, laisse tomber comment ça pèse. Assure. Ah non, c'est pas possible, les oreilles, on dirait les oreilles de Bouddha. Non, je peux pas. Oh, ça c'est pas cool de les faire aussi lourdes. On va passer à une robe velours noire. Je trouve que le velours c'est tellement classe. Et là c'est une robe toute simple, toute noire, mais bien sûr avec la fente. Oh my godness, regardez-moi. Sublime. Ah non mais là avec un beau collier, tu vois ce que je veux dire comme ça là, pa, 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 pa. Même avec un chignon comme ça, bon moi chignon franchement là c'est... Attends, je vais essayer de la ranger un peu. Je disais avec le chignon et tout ça va trop bien. Oh je la garde mais c'est sûr. Et puis elle est super douce aussi. Ah non mais oh, qu'est-ce que vous en pensez? Oh avec mon petit sac, celui-là. Ah non mais j'adore, je vous jure. Je sais pas honnêtement si on fera mieux que cette robe. Parce que là, coup de cœur. Pour voir l'autre et on a fini à... Et non, on n'a pas fini. Il est où? Mais oui, j'avais reçu un petit colis aussi, attends. Mais oui, ça y est, je me rappelle. J'avais complètement zappé que je m'étais pris un haut rouge. On l'essaiera quand même parce que c'est un beau rouge. Hein. Pour les repas de famille, par exemple, pour Noël, t'as pas envie de t'habiller genre comme ça, tu sais. Bonjour belle maman. Non, tu vois, un truc un peu plus soft, mais qui fasse habiller. Et je sais pas, j'avais vu ce pull, je me suis dit, tu vois, pour Noël, ça peut être sympa. Donc à voir, on l'essaiera après. Mais on va essayer. Ça, je sais pas si ça va m'aller. C'est un collier. Parce qu'en fait, je trouve que les colliers comme ça, ça va bien aux filles qui ont des longs coups, tu sais. Et moi, il est pas long. Mon cou, j'ai l'impression que ça me le raccourcit encore plus. Alors, oh, alors là, je sais pas quoi en penser. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est joli ou pas? J'arrive pas à savoir. Le pull rouge, on laissera quand j'aurai un bas. Parce que là, on va essayer une robe. Je sais pas ce que ça va donner, parce que le bas, je sais pas si vous voyez. Là, j'ai quand même des doutes. Je sais pas ce que ça va donner. Elle est très belle. Le bas là, comment je kiffe, c'est super agréable et tout quand tu marches. Elle est de très bonne qualité cette robe. Que je vous montre d'un peu plus près la transparence et tout. Mais ça c'est le genre de robe, je suis sûre que je la mettrai jamais. Donc je sais pas si je la garde ou pas. Qu'est-ce que je fais? Allez, on continue maintenant avec les tenues de soirée puisque j'ai commandé sur Pull&Bear que ça. Ouh là là, les strass, les paillettes. Ouh oui, c'est vrai. Là, j'ai osé. J'ai osé la transparence. Parce que c'est une robe qui est super jolie. Mais genre transparente, c'est un body. Et t'as rien d'autre en dessous, quoi. Donc on voit tes fesses et tout. Donc là, je suis en train de me dire, c'est sûr que tu la mettras jamais. Mais je l'ai trouvé magnifique. Il fallait que je l'essaye. Regardez-moi ça. Ok, bon, j'ai pas regardé derrière. Mais déjà, le devant, pff, le fait que ça brille comme ça, c'est magnifique. Mais elle est un peu grande, déjà. Pour voir maintenant le derrière... C'est sûr, mais qui c'est qui met ça? Non mais attends, je vous montre parce que bon, ça va habiller quand même, mais assure. Après, elle est canon, hein. Moi j'adore la transparence comme ça avec les strass. Je peux pas, jamais je pourrais mettre ça. Ensuite, oh là là, celle-là je vais kiffer. J'aime les franges, j'aime les strass. Elle est pas mal celle-là. Hey, ça s'appelle les stars, j'attends votre appel, hein. Oh my god, j'aime trop cette robe, regarde, les petites franges, je mettais un petit peu discrète quand même. Qui brille comme ça, et celle-là elle va cartonner comme robe. Regarde le décolleté dans le dos comme il est beau. Pam, 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 cha-cha, avec Nisou Makeup. On a encore deux robes à essayer, dont celle-là, ouh, qui me semble un petit peu transparente, dis donc. On dirait qu'elle est tachée s'il te plaît. Ouais, vous le voyez aussi. Et en fait c'est juste qu'il y a un concentré de fil argenté, et ça fait comme une tache. On va l'essayer, mais celle-là c'est sûr je la renvoie. Ok, donc voilà la robe portée, qui est jolie, qui est classe. Non, j'en ai des plus belles qui me plaisent le plus, donc je vais pas la garder celle-là. Mais écoutez, on va passer à la dernière de chez Pull&Bear. J'ai pris quand même une manche longue, parce que je me suis dit quand même on est en hiver. Essayez de trouver une robe de soirée manche
manches longues. J'ai trouvé celle-là, qui avait l'air quand même plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne portée. Ok, donc voilà pour la robe portée. Ben, je suis pas fan. Bon, déjà, j'ai pris taille 34 parce que je voulais qu'ici, ça c'est nickel. Ça serre bien, tu vois, que si tu te baisses, voilà, on voit pas tout. Mais du coup, j'ai vraiment galéré à la mettre hein, à cause de ça. Le rendu, je sais pas. Hein. Je crois que c'est les manches que j'aime pas. Hein, je sais pas, je suis pas habituée aux robes avec les manches, hein, je sais pas. Le derrière, j'ai pas vu. C'est une belle robe, hein, mais je vais pas la garder. On va passer maintenant au dernier colis. ASOS. Ah, c'est vrai, ça y est. J'ai pris un pyjama de Noël. On va l'ouvrir en premier. Je sais pas, je l'ai trouvé super joli. Habituellement, j'aime pas du tout tous les trucs, les pulls de Noël et tout. J'aime pas. Mais celui-là, de cette couleur, après, il est vachement fin. Tu vois, tac, rose comme ça, avec le pantalon. Ben, je l'ai trouvé joli. Par contre, hein, écoutez-moi, c'est la marque ASOS, hein. Qu'est-ce qui pue? Et puis même la cali, c'est très fin. Avec... Tu mets ça, t'as froid. J'ai même pas envie de le mettre. Hein. Allez, je le mets, mais vraiment, c'est pour vous. Hein. Oh my god, je vais gerber, je vais vomir. Oh my god, non, c'est pas possible. Écoutez, le voilà porté. Hein. Vite, on essaye ça, je sais pas c'est quoi, mais je l'essaye direct. Attendez, avant de venir sur ça, comment c'est possible qu'un article pue autant? J'ai jamais vu ça. Un dizaine de hauls sur YouTube, jamais j'ai senti une odeur pareille. Hein. Là, c'est franchement, c'est honteux, à sauce. Oh, que passa? À deux doigts d'envoyer un message à la sauce et tout. Enfin, bref, voilà pour cet article porté. Donc, c'est une combi short. On adore. Effet satin, comme ça, très agréable à porter. Et on a derrière, en fait, bon, je l'ai très mal fait, mais en fait, un gros nœud, tu sais. Faut bien savoir le faire et ça fait joli. Moi, je sais pas bien les faire. Et je trouve que ça fait chic. J'aime beaucoup, je vais la garder, cette combi. Marque à sauce. Hein. Bon, ça va, il se rattrape avec ça. Je crois que la tendance cette année, c'est le velours. Hein, parce que là, j'ai repris une autre robe velours. Regardez-moi ça, le décolleté. À strass comme ça. Et franchement, celle-là, elle peut faire canon. Par contre, j'ai pris 36 et j'espère qu'elle va pas mettre trop grande. Parce que là, au niveau de la poitrine, il faut que ça me serre, moi. Elle aurait pu être tellement belle, cette robe, les filles. Déjà, il m'aurait fallu taille 34. Hein. 36, beaucoup trop grand. Et je sais pas, regarde, enfin, ça colle pas. Tu vois, ça devrait coller. Ça taille pas bien à ce niveau-là, en fait. Ouais, non, ça va pas du tout. Quel dommage. Je sais pas de quelle marque c'est. Kaya. Je connais pas Kaya, mais Kaya, c'est pas tip-top. Hein. On dirait, en fait, c'est que c'est un fil de fer. Mais c'est ça, en plus, ouais, un fil de fer qu'ils ont fait comme ça. Non, ça va pas du tout. Punaise, on finit sur une déception, là. Ça aussi, je le renvoie. Ben écoutez, on va finir avec des jeans. Et ça sera l'occasion d'essayer le top rouge. Ouf, déjà, heureusement que j'ai pris taille 34 parce que ça semble assez grand. Mais moi, j'adore cette tendance des jeans comme ça, des pantalons cargo. Donc voilà, mais bon, celui-là, je crois qu'il va mettre beaucoup trop grand. Bon, hein, ça va pas du tout ensemble, hein, les deux. Mais on va commencer par le pantalon. Eh ben, je suis pas fan. Je pense que c'est la couleur que j'aime pas. Après, il taille super bien, c'est un Bershka. Les tailles hautes, tu vois, il baille absolument pas. Mais du coup, le haut, j'aime beaucoup. Les manches un petit peu comme ça, ouvertes. Non, il est joli, le décolleté est beau. Faut que je me tâte. Vas-y, attends, 2 secondes. Hein. Je me baisse. Si je me relève avec un autre haut. Hop là, voilà, c'est beaucoup mieux. Hein. Et ouais, non, même comme ça, ce pantalon, j'aime pas. Hein. Pour voir celui-là, j'espère qu'il sera mieux. Qu'est-ce que c'est ce pantalon? Écoutez-moi les filles, j'ai aucun souvenir d'avoir commandé ça. C'est normal ou pas? Non, c'est pas normal. Je pensais qu'il devait être sur le mannequin en mode il lui taille trop bien. Parce que là, je le vois en vrai, mais même pas je le touche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, je suis curieuse. Pouvoir porter. Punaise, mais même pas quoi. Eh, j'aime pas du tout. Regarde en plus comme il taille super mal. Mais qu'est-ce que c'est ce pantalon? Pourquoi j'ai pris ce pantalon? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Il y aurait pas là ça, cette poche là, qui sert à rien, et ce machin, tu te demandes à quoi ça sert à part qu'on te tire. Il taillerait super bien. J'aime beaucoup la coupe, tu vois, droite comme ça. Qu'est-ce que c'est comme coupe? Ça, ça me plaît ça. Enfin bref, écoutez, on a fini. Déjà, et très déçu de la sauce, hein. La sauce, là, le pyjama rose, il m'a traumatisé. Je crois que je vais aller l'escamper, je te jure, hein. Une odeur de vomi. Donc, du coup, voilà pour ce haul fini. Franchement, incroyable que mon chignon ait tenu. Bon, je dois pas avoir la même tête qu'au début. N'oubliez pas que je vous ai mis en barre d'infos le lien pour Igral. Lors de l'inscription, vous avez 10 euros au lieu de 3 euros. Et bien sûr, le lien de tous les articles que je vous ai montrés. Je vous laisse, je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.